Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'horoscope de la semaine du 27 mai. Hein. Donc petite nouveauté, bah, ça va être un horoscope avec une guidance intuitive. Donc pour une fois, je ne vais pas me servir des cartes, mais vraiment vous délivrer les messages tels que je le reçois à l'instant T, comme on dit. Et au courant de la semaine prochaine, je vous mettrai aussi en place les horoscopes signe par signe pour le mois de mai, pour le mois de juin, pardon, ça passe tellement vite. Hein, ça sera l'horoscope pour le mois de juin en entier. Comme ça, ça vous donnera une petite idée un peu avant les congés. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne lecture et j'attends toujours vos pouces, vos likes, comme on dit, et aussi vos commentaires hein, dans le cas où vous auriez une question à me poser concernant cet horoscope. Et puis, bah, bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a eu encore un petit peu cette semaine. Et puis, bah, pour ceux qui veulent me suivre plus assidûment, vous n'avez pas juste à vous inscrire, hein, c'est gratuit. Il n'y a pas de souci. Voilà pour vous. Namasté. Bonjour les amis taureaux et taurettes. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, pour cette semaine du 27 mai, ça va être une semaine assez... En interaction, hein, on va dire une interactivité sociale, hein, donc beaucoup de prises de parole, beaucoup d'échanges, hein, de communication, ça va être une semaine de communication et d'échanges automatiquement, et ça va être assez enrichissant, je l'ai dit, ça y est. Et donc, il faut que vous profitiez de ces contacts, hein, qu'ils soient professionnels, personnels, amicaux, familiaux, vraiment pour tisser des liens, pour avoir en prévision des jours et des semaines à venir où vous aurez peut-être besoin de ces contacts-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu entretenir une certaine flamme, si on peut dire ça comme ça, hein, que ça soit privé ou professionnel. Donc, il y a vraiment ce besoin de renforcer des liens, peut-être pour être sûr pour des projets que vous allez mettre en place, ou bah, tout simplement pour les réservations pour cet été. Mais il y a vraiment ce besoin de communication et que les choses soient bien claires, hein, que les cartes soient bien sur table et qu'il n'y ait pas de quiproquo. Hein, mais ça va vraiment être une semaine d'échange très constructive, très harmonieuse en même temps. Hein, il y a vraiment une bonne dynamique, hein, et c'est très positif pour vous. Par contre, alors attention, surveillez votre santé, surveillez un petit peu votre alimentation. C'est un professionnel qui vous le dit, vous voyez ce que je veux dire. Hein, donc non, mais ça c'est juste un petit aparté comme ça. Peut-être... reprendre les balades en forêt, justement pour, vu qu'il va y avoir une sorte, quand même un regain d'activité pour vous aussi, donc peut-être de reprendre une autre façon de vivre ou de manger, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais l'essentiel, c'est d'être bien dans sa peau. Voilà pour vous les taureaux et les taurettes, excellente semaine, namasté.